Machiavellianist, Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shotty. Feel me? And God said he should send his one begotten son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, c'est bon. Oh là là, ça m'a gonflé là. On peut jamais dormir tranquille ici. Jamais on peut dormir. Qu'est-ce qu'il y a alors? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a reçu? Neymar sera un joueur du FC Barcelone dans les prochains jours. Il n'y a aucun doute. Il manque de savoir s'il viendra en tant que nouveau joueur du FC Barcelone. Le PSG et Barcelone résoudront ce dernier problème avant de rendre officielle la sortie du Brésilien vers Barcelone dans les prochains jours. Neymar à 1000% à Barcelone. Bon, d'où ça vient ça? On m'a envoyé ça, mais je ne sais pas d'où ça vient. Alors, c'est qui a dit ça? On va ouvrir le lien. Oh, bah c'est mort, il va partir alors. Hein. Oh putain. Aïe. Aïe. Oh, les notifications arrivent de partout. J'ai perdu. Alors, qui c'est qui a dit ça? Il n'y a pas de son? Eso sí, solamente hay una duda. Si el jugador vendrá comprado o si el jugador vendrá cedido. Es la única duda que tiene el Fútbol Club Barcelona, el Paris Saint-Germain y que tengo yo. Por todo lo demás, está claro. Está al 1000 por 1000. Neymar será en pocos días nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona. Falta saber si será comprado o vendrá cedido. Como ya avancé, Neymar será jugador del Fútbol Club Barcelona. Aïe, on m'a réveillé pour ça. Donc, les potos, je vous explique. C'est encore monsieur David Valdearena. J'ai eu peur. Oh là là. Oh, bah, c'est pas bien de me faire ça. Ah oui. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Bon, tu m'as saoulé. Tais-toi. Donc pour traduire, hein, il poste un nouveau truc où il dit Neymar sera joueur du FC Barcelone dans les prochains jours. Il n'y a aucun doute. Il manque de savoir s'il viendra en tant que nouveau joueur du FC Barcelone ou s'il viendra entre le PSG et le Barcelone résoudront ce dernier problème avant de rendre officielle la sortie du Brésilien vers Barcelone dans les prochains jours. David Valdearena cite Neymar à 1000% à Barcelone. Sûr et certain, officiel. Oh, bah alors là, je suis triste. Hein. Donc, les potos, Neymar va partir. Hein. David Valdearena. Qu'est-ce que je ferais sans lui? Bon, ça a été posté il y a quelques minutes. Donc, tu te dis. Normalement, tous les journaux, notifications, ça va de partout là. Hein. Les notifications, les infos vont tomber. L'équipe va en parler, Sport va en parler, Mundo Deportivo va en parler, Esport va en parler. Et tu cherches, il n'y a toujours rien. Toujours personne prend au crédit cette personne-là. Qui est soi-disant un grand journaliste. Hein. Et on va me dire encore dans les commentaires, mais Sacha, qu'est-ce que tu connais, toi? Lui, au moins, il a des échos. Il est dans le FC Barcelone. Il doit avoir des contacts. Qu'est-ce qu'il a comme contact, les potos? C'est tout ça, c'est pour faire du buzz encore. Regardez ce qu'il dit. Neymar sera joueur du FC Barcelone dans les prochains jours. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il manque de savoir s'il viendra en tant que nouveau joueur du FC Barcelone ou s'il viendra, je sais pas quoi, je n'ai même pas compris ce qu'il a écrit. Et ils résoudront ce dernier problème avant de rendre officielle la sortie du Brésilien vers Barcelone dans les prochains jours. Neymar à 1000% à Barcelone, David Valdearena. Donc, la dernière fois, on vous a dit les propos qu'il a dit, on va tout vous redire, hein. Pourquoi ne pas tout vous redire? Donc aujourd'hui, il a dit ça. Hier, il a dit, demain pour... Ah non, ça c'est un autre. Voilà, il y a 2 jours ou 3 jours, il a dit Neymar arrive à la fin du mois d'août à Barcelone, le FC Barcelone rejette l'offre de 60 millions, de 160 millions d'euros du PSG, mais le club de Paris accepte les 70 millions plus Coutinho, plus Malcolm, plus Rakitic. Troisième joueur qui entendrait dans l'opération... Accord fermé, cette vidéo je la laisse, naïnana. J'espère que vous pouvez laisser plus clair le thème de Neymar, naïnana. Donc frérot, déjà là t'as menti parce que Monsieur Malcolm va signer au Zénith Saint-Pétersbourg pour 40 millions. Donc, le mec qui ressemble à Barthez, je vais même pas vous montrer votre photo, il ressemble à Barthez. Va t'occuper de Barthez, allez. On dirait
L'ancien gardien du FC Barcelone, Valdés, voilà. C'est Valdés, frérot. Il s'est transformé en Valdés. Qu'est-ce qu'il peut dire comme bêtise, ce gars? Incroyable. Incroyable. Et après, qu'est-ce qu'il t'a dit aussi il y a 3-4 jours? Ah oui, c'est plus le 27 août, c'est le 29 août. Et après, il te dit, je veux être clair, hein, le PSG et le Barça ont un accord qu'ils ont promis de ne pas révéler jusqu'en août. Neymar arrivera, comme je le dis, depuis des jours et sera le numéro 11. Dembélé changera son dossard. Coutinho et Malcolm iront au PSG. Malcolm, il va au Zénith, hein, mais c'est pas grave. Parce que Griezmann porte la numéro 7 et non le 17. Offre qui a été acceptée par le PSG. 70 millions plus Coutinho plus Malcolm. Coutinho n'est pas à vendre, il ne veut pas venir au PSG. Et Malcolm va signer au Zénith de Saint-Pétersbourg. Mito! Un mito! Qu'on a des cataca et dégage, va! Hijo de cabron. Donc Malcolm est un troisième joueur qui pourrait entrer dans l'opération, n'importe quoi. Neymar est du FC Barcelone en août. Les deux clubs le rendront officiel, ne vous inquiétez pas. Voilà, après il continue à se vanter, à te dire en octobre 2018, j'avais annoncé que Griezmann allait aller au Barcelone. Et là, je vous annonce que Neymar, 70 millions au PSG, plus Coutinho, plus Malcolm, et un troisième joueur qui ne m'ont pas pu me dire. Ah, ils n'ont pas dit, Barcelone n'a pas pu te le dire. Hein. Mais c'est que des bêtises. Tu es un menteur. Alors moi, si je suis un menteur, moi j'ai les arguments. Moi, je suis pas un menteur. Toi, tu es un menteur. Tu es un. C'est ça, on peut appeler ça des putaclics, les potos. Ça, on peut appeler ça des putaclics. Parce que moi, on me dit je fais des putaclics. Mais non, parce que moi, je donne des raisons. Et quand je dis officiel, c'est lui qui dit officiel. Et là, il continue à le dire. Neymar sera joueur du FC Barcelone dans les prochains jours. Ça veut dire même pas le 28 août. Dans les prochains jours, là. En début de semaine, frère. Mais personne n'en parle, personne ne te prend au sérieux, tous les gros médias ne te prennent pas au sérieux. Je suis obligé de me moquer de lui. Je suis obligé de me moquer de lui. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'en pensent en ce moment les journalistes. Tu tapes David Valderrena, il n'y a toujours rien. Il n'y a toujours pas un journal ou un journaux, excusez-moi, c'est plus français, un journaux qui dit, oh attention, David Valderrena annonce Neymar au Barça à 1000% dans les prochains jours. Ça va rendre officiel. Donc voilà. Donc quelles infos on a nous à peu près? Voilà, c'est 300 millions ou rien. Nasser ne veut pas vendre Neymar au FC Barcelone et en plus ne veut pas leur faire de cadeau. Pourquoi le Paris Saint-Germain ferait un cadeau à Barcelone? Voilà. Barcelone, avec ce qui s'est passé avec la remontada et tout, plus les affaires d'arbitrage, plus les transferts avec les histoires de Thiago Silva, Verratti, Marquinhos, Neymar, peut-être Rabiot, que les négociations quand ils étaient en contact de Young et tout ça. Et on voudrait après que Paris soit gentil avec le Barça. Donc voilà. C'est 300 millions ou rien, on vous l'a dit hier, hein, le prix de Neymar oscille-t-il entre 180 et 200 millions? Non, d'après le PSG, le club assure dans les qu'il n'a jamais été question de baisser le prix de Neymar pour cet été. Il ne devrait pas quitter la France contre un chèque inférieur à cette somme de 300 millions. On sait très bien qu'aucun club peut payer 300 millions d'euros. Voilà, le PSG, même si le PSG pourrait amortir son transfert en le cédant pour 150 millions d'euros, c'est des bêtises. Nasser attendrait toujours 300 millions de la part de Josep Maria Bartomeu. On sait qu'ils se rencontrent le 16 à l'ECA. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Le Barça prêt à quoi? Prêt à quoi? Qu'est-ce qu'il raconte encore Sport? Le Barça prêt à répondre aux demandes de d'Al Khelaïfi pour Neymar? Oui, bien sûr. Le PSG entendu par le Barça, genre. Donc voilà, ouais, c'était Ernest Foch qui avait dit ça hier, c'est n'importe quoi. Neymar au cœur des tensions. Ah voilà, maintenant. Ah voilà, Sport, là, ils me font plaisir. Neymar au cœur des tensions en interne. Voilà, c'est à cause de Neymar maintenant. Alors tout à l'heure, on disait qu'il avait le sourire à l'entraînement. On va vous lire ça. Alors, sur le plan sportif et marketing, Neymar agacerait. Donc Sport fait un nouveau point sur Neymar ce jeudi. Le média catalan revient notamment sur les entraînements individuels de l'international Aurivert lors de cette tournée estivale qui l'éloigne du public chinois, ce qui n'arrangerait pas les affaires du PSG. Le club de la capitale comptait en effet sur sa tête de gondole pour respecter ses accords commerciaux. Si le PSG justifie la mise à l'écart de son joueur par son état physique jugé encore trop juste, la réalité serait différente. Comme on vous l'a dit hier, la discrétion de Neymar lors des événements marketing et son absence en match crisperait en effet la direction sur le plan sportif. Thomas Tuchel serait également inquiet de cette situation. L'entraîneur allemand entretiendrait une relation courtoise avec son attaquant, mais voudrait tout de même résoudre ce problème le plus rapidement possible. Tuchel estimerait que les envies de départ de Neymar ne sont pas idéales pour la vie de groupe et attendrait donc que sa direction tranche rapidement. Mais la direction, elle a tranché, poteau, monsieur Tuchel. Elle a tranché, c'est 300 millions ou rien. Au minimum 222 millions, mais ça, il n'arrive pas à comprendre le cash. Et en plus, ce qui est marrant avec ce monsieur David Valdearena, donc on voulait vous annoncer aussi que Neymar a repris l'entraînement aujourd'hui avec le groupe. Voilà, ça c'est officiel par contre. Voilà, de retour à l'entraînement collectif, il a le sourire, franchement. Après, on va me dire, oui, mais à Barcelone en 2007, il avait le sourire, il a fait des matchs de préparation, ça l'a pas empêché d'aller au Paris Saint-Germain. Sauf qu'il y avait une clause. Il y avait une clause, là, il n'y a pas de clause. Faut mettre du cash, faut payer 300 millions. On veut pas d'échange de joueurs. Et même si on voulait des échanges de joueurs, Coutinho ne veut pas venir, Rakitic ne veut pas venir, Dembélé ne veut pas venir, Malcolm va aller au Zénith. Est-ce que vous allez comprendre ça un jour ou l'autre? Mais ce monsieur David Valdearena qui a autant de jugeotes que de cheveux,
pouvez aller voir sa photo, je vous invite. Hein. Personne ne le prend au sérieux. Donc voilà. C'est quoi encore ces arguments? Il n'y a aucun argument. Il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas de Neymar. Il n'y a pas d'histoire Neymar, les potos. Il ne me fait pas de peine. Parce qu'on va me dire, Sacha, c'est plutôt toi qui fais de la peine. Mais les gars, moi, ce gars-là, bon, ça va lui faire gagner des abonnés. Ça va lui faire gagner des followers. Des vues. C'est bien pour lui. Les Espagnols sont assez naïfs pour le croire. Ben, moi, je le crois pas et personne d'autre le croit. Ça veut dire que Sport et Mundo Deportivo, des fois, citent des journalistes, comme ce soit Ernest, je sais plus quoi, là, et Francesc Aguilar, qui sont, eux, un petit peu plus crédibles que lui. On relate leur information à eux, à ces deux journalistes. Mais à lui, personne ne relate ces informations. Allez taper David Valdearenas, David Valdearenas sur Google. Il n'y a aucun journal sportif européen mondial qui ne parle de ces informations. Que ce soit quand il a dit qu'il allait venir au Paris Saint-Germain pour la première offre Coutinho, 70 millions, plus Malcolm, plus Rakitic. Quand il a dit aussi que Neymar sera à 1000% au FC Barcelone le 28 août, qui a un accord pour 160 millions. Et maintenant, aujourd'hui, qui nous dit Neymar va être présenté carrément, va être présenté avec le maillot et tout dans les prochains jours. Hein. Donc voilà, les potos, c'est un... Allez, un mytho. Un mytho des cablones. Voilà, mythomane. Mythomanie. La mythomanie est une maladie. Voilà, on sait qu'en France, c'est de plus en plus pratiqué, même dans le monde. Hein. Il y a plus en plus de mythomanes, plus en plus de menteurs. Mais bon, après, des fois, tu peux mentir pour des choses graves. Là, il ment pour son pognon, pour ses vues, pour ses likes. Voilà. 17 627 vues en quelques minutes. Donc voilà, donc les potos, vous inquiétez pas, toujours pas de nouvelles. Hein. Il n'y a pas d'offre, il n'y a rien. Neymar va rester au Paris Saint-Germain cet été. Lui, comme d'habitude, il va faire son petit mea culpa le 2 septembre et va expliquer pourquoi ça s'est pas fait. Et il va s'en sortir comme ça, parce qu'ils vont le croire encore. Donc voilà, on finit sur ces propos qu'il a ajoutés aujourd'hui, ils ont communiqué. Neymar sera un joueur du FC Barcelone dans les prochains jours. Il n'y a aucun doute. Il manque juste de savoir les accords, les détails, voilà. Mais il sera un joueur du Barça. Voilà, ils vont résoudre ce problème avant de rendre officielle la sortie du Brésilien vers Barcelone. Neymar sera à Barcelone à 1000%, les amis. Voilà. Donc moi je vous dis complètement le contraire, hein, pour tout ce qu'on vous a déjà dit, on ne va pas vous répéter les mêmes choses, voilà, que ce soit aspect financier, aspect marketing, contrat, publicitaire, sportif, le coût du salaire, le coût du transfert, les comptes du Barça, on vous a tout dit. Et ce journaliste continuera à dire des bêtises, hein. Il va faire un ou deux posts tous les 3-4 jours en te disant ça. En plus, le pire, c'est que ces arguments depuis 3-4 jours sont fausses. Hein, quand il te dit Malcolm, tout ça et tout, voilà. On vous a expliqué dans la vidéo. Remettez la vidéo en arrière. Donc voilà les potos. Donc Neymar va rester au PSG cet été. Hein, ne croyez pas Victor Valdez, Fabien Barthez ou Hijo de Carlon. C'est pas dommage que je t'aurais envoyé Pablo Escobar, toi. Je t'aurais envoyé Pablo Escobar ou El Chapo. Voilà les potos, bah, comme d'habitude. Hein, là, c'est une grosse info quand même qu'on vous donne. Hein, parce qu'on peut vous montrer à quel point les journalistes peuvent être mythomanes. Voilà. Donc, je compte sur vous pour cette vidéo, pour taper les 450 likes, les potos. Alors, je vais vous donner quelque chose. Je vous avoue que je vais commencer à faire gagner les cartes PSN à partir du mois de septembre. Voilà, à partir du mois de septembre. Si on atteint les 450 likes dans cette vidéo, on fera gagner des cartes PSN et Netflix à partir du mois de septembre. Je dirais mi-septembre et fin septembre pour pas être menteur. Voilà. Et comme d'habitude, un cinéma va au Barça. J'ai promis, hein, je donne mon téléphone, ma télé, mon ordi, mon canapé, mon lit... mes lunettes, mon t-shirt, ma play, ma tout, c'est promis les potos, voilà. Donc 450 likes, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, dites-moi ce que vous pensez de ces propos de ces journalistes. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah, comme d'habitude, hein, on met des arguments, on met des commentaires très 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 pertinents, très flexibles et très intelligents. S'il y a des insultes, hein, blocage, comme vous savez. Les potos, je vous souhaite une bonne vidéo. Je passe le bonjour à David Valdearenas et je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les potos, hijo de cablón de pura jala.